Salut les flemmards, les motards. Peut-être avez-vous d'étranges symptômes depuis quelques temps. La flemme de passer les vitesses, la flemme d'appuyer sur le sélecteur, la flemme de passer tous ces rapports, la flemme quoi. Et pourtant, l'industrie motocycliste a depuis longtemps les moyens de répondre à cet état de langueur. C'est l'embrayage automatique. Depuis 1972 en fait, avec la Moto Guzzi 1000 Convert, avec un convertisseur de couple. Honda a suivi avec la Honda Matic en 1977. Et puis, quand même pas mal de temps plus tard, avec le DCT en 2009, une boîte à double embrayage avec une sélection au guidon ou éventuellement un sélecteur optionnel. Et puis, le même constructeur nous a proposé l'e-clutch avec un système complètement différent, beaucoup plus simple, qui n'est donc pas là une boîte automatique mais semi-automatique, puisqu'on le conserve le sélecteur au pied pour passer, monter et descendre les rapports, et éventuellement le levier d'embrayage peut être actionné également. Un autre constructeur japonais avait également sorti une boîte automatique sur un de ses modèles, Yamaha, avec sa FJR 1300AS en 2006, suivie d'une évolution en 2013, et puis le modèle avait fini par disparaître il y a quelques années. Le constructeur au diapason nous propose un millésime 2025, sa MT-09 avec une toute nouvelle technologie, le YAMT, qui succède au YCCS. Alors derrière cet acronyme, se cache quelque chose quand même d'assez simple. Cette nouvelle technologie équipe donc ce roadster sportif, ce qui peut paraître un peu étonnant. Et de prime abord, il est difficile de voir la différence avec le modèle essayé par Zef il y a quelques mois, puisqu'il y a deux actuateurs de chaque côté de la machine, un pour l'embrayage, un pour la boîte de vitesse. Seule différence apportée à la boîte de cette YAMT par rapport au modèle standard, ça va être au niveau du barillet de sélection. En fait, les vitesses vont passer 6, 5, 4, 3, 2, 1, neutre, et donc le neutre ne se retrouve pas entre le 2 et le 1, et cela pour éviter en fait les à-coups au moment du passage de vitesse, rétrogradage ou au contraire montée des rapports. Pour le reste, la MT-09 est strictement conforme au modèle standard, avec le même moteur CP3, le même châssis, la même instrumentation, et une électronique qui va changer un petit peu, c'est-à-dire qu'elle va être adaptée pour gérer cette nouvelle boîte automatique. Évidemment, on a toujours la centrale inertielle qui, elle aussi d'ailleurs, va piloter les changements de rapport, va aider à piloter les changements de rapport sur l'angle. Le système Yamaha YAMT est très simple. On a donc deux moteurs, deux servomoteurs qui actionnent l'embrayage et la boîte de vitesse. Avec à droite, un des deux moteurs qui va lui s'occuper de l'embrayage, donc d'actionner l'embrayage, soit de façon automatique, soit quand vous pressez les palettes au guidon. Et à gauche, donc lié à tout l'automatisme, vous avez le moteur de sélection des rapports qui vient entraîner donc, vous voyez, le tambour de sélection pour ensuite changer les rapports. Il s'agit d'un principe très simple, économique et surtout léger, 2,8 kg. Donc ça fait partie des modèles les plus légers avec l'e-clutch de chez Honda, avec une machine qui ne dépasse pas les 200 kg. On est à 199 kg au lieu de 196. Donc vous voyez, l'inflation de poids est quand même très limitée. En fait, l'essentiel va se passer au guidon. Pour gérer ces deux éléments qui viennent se greffer donc sur le bloc standard, hein, c'est vraiment très simple comme technologie, on a sur les Komodo de nouveaux éléments. Tout d'abord, à droite, on peut choisir entre un mode tout automatique, où là on n'a rien à faire, et un mode semi-automatique qui permet d'utiliser à ce moment-là les palettes au guidon à gauche qui permettent de monter ou descendre les rapports. Mais à tout moment, de toute façon, même en mode automatique, on pourra intervenir si on trouve que l'automatisme n'est pas conforme à ce qu'on voudrait comme rapport. On peut à tout moment venir rentrer une vitesse ou au contraire en monter une. Donc il s'agit d'une boîte séquentielle qui est donc pilotée de façon électronique en interaction avec l'injection. Le mode tout automatique propose deux principes d'intervention. Un mode D qui va être un mode drive qui va donner un changement de rapport plutôt routier, plutôt tranquille, et un mode D+, qui va donner un fonctionnement plus sportif, avec des passages de rapports plus rapides et plus adaptés à un comportement dynamique. Quand on prend les freins, ça va rentrer les rapports plus rapidement. Donc, on va avoir une sensation de pilotage sportif d'après Yamaha. Quand même quelques subtilités du mode D et D+. On peut intervenir sur la façon dont va réagir l'accélérateur dans ces deux modes. On va en effet pouvoir mettre plus de sportivité à l'accélération pour le mode D+, ou en enlever pour le mode B, hein, ou inversement, en rajouter. Donc il y a quand même une certaine latitude, même si les modes sont à peu près réglés. Et puis au contraire, si on revient en mode semi-automatique, on peut repartir sur les modes habituels que propose la MT-09, à savoir pluie, ville et sport, et deux modes personnalisés, où là on peut vraiment régler la machine comme on l'entend. Voilà pour les différences entre la MT-09 standard et la MT-09 YAMT. Maintenant, je vous propose qu'on les étudie en dynamique. C'est parti.
Vous avez entendu là peut-être le petit clac, c'est celui de la boîte de vitesse YAMT. Donc là je suis en mode boîte auto. Il n'y a plus de levier d'embrayage, hein, vous voyez à gauche là, il n'y a pas de poignée. Alors là j'ai choisi le mode D, qui est le mode drive, hein, qui est le mode standard on va dire, avec des passages de rapport plutôt tranquilles en fait. Ça va pas tellement monter dans les tours, ça va passer les rapports assez vite. Et si je rappuie sur le bouton mode à droite, hop, là je suis. Alors en D+, il faut couper les gaz. Et vous voyez tout de suite il a rentré un rapport, on est en mode plus dynamique, il me rentre les rapports plus rapidement, 3, 2. Et là on tire les rapports. Et vous voyez, je reste en 2 quand même. Donc il y a bien un changement, on va passer en D. Voilà, dès 60 km/h, je suis en 3. Et je voudrais voir si la machine va redescendre les rapports. Oui, quand on est vraiment trop bas dans les tours, vous voyez, il vient de me rentrer 3 vitesses automatiquement. Mais il faut vraiment attendre. Même en mode sport, là, il me laisse vraiment la main. Si je le fais pas, il vient rentrer les rapports et je vais pas me retrouver en 6 au feu rouge. Ça, c'est pas possible. Donc ça fait la différence avec le lead clutch, par exemple, Honda. Vous voyez, hop, il me rentre la 2 tout seul. Alors en mode drive, c'est quand même tranquille, hein, vous voyez. Il passe pas les rapports sans arrêt. Parce qu'il gère le mode D en fait. Il va aussi gérer donc la façon dont les gaz vont être remis. C'est-à-dire que même si vous tournez la poignée fort, ça va pas être aussi exubérant qu'en mode sport. Ou en mode D+. Donc. Ouais, par contre la rentrée du rapport en 1, 2, 1, on sent la coup. Hein. C'est pas aussi seamless, hein, sans à-coup, donc avec une boîte DCT ou avec un e-clutch, ça c'est évident. Après, c'est peut-être aussi le souhait de Yamaha de donner, selon eux, bon, une certaine sportivité, un ressenti de la boîte, des rapports. Là, c'est ce qui se passe. Hein. On sent bien les rapports passer. Il n'y a pas d'à-coup, mais on sent 5, 6, tac, tac. Allez, on teste la rapidité du système à rentrer les rapports. Ouais, c'est très rapide. J'ai fait 6, 5, 4, 3 là. À chaque pression, c'est immédiat. Et on accélère. Hop. 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment rapide. Allez, 6. 5, 4, 3. Ah non, je n'ai pas pris la 3 là, mais bon. Tiens, 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 je vais me mettre en mode sport. Voilà. J'étais en 3, on va remonter 4, 5, 6. 5, 4, 3. Ouais, là voilà. Quand on est en mode sport, il autorise à rentrer les rapports plus rapidement. Ce qui est logique. Bon, le passage des vitesses est plutôt conforme à ce que ferait un pilote lambda, je pense. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors là, je suis toujours en mode manuel. Et je vais voir en passant en rapport sur l'angle. Vous voyez, je viens d'en monter un. Est-ce qu'il va vouloir? Ouais. Et ça se fait vraiment sans à-coup. Alors, autre point important, c'est que même en mode automatique, D ou D+, on a toujours la main sur la boîte, sur le changement de rapport. Là, si je veux repasser un rapport supplémentaire, je peux passer la 4. Ou je peux rentrer 3-2 parce que je trouve que la boîte ne fait pas assez vite pour moi. Voilà. Alors c'est pas aussi réactif que quand on est en mode semi-automatique, puisque l'électronique conserve un petit peu quand même la main, enfin davantage en tout cas, sur ce qu'elle préfère faire. Et si jamais je repasse par contre en mode semi-automatique là, d'ailleurs on sent tout de suite à la poignée, c'est incroyable la différence, on a tout de suite beaucoup plus de réactivité. Bah, nous évoluons sur des routes pas mal détrempées. Je suis passé en mode automatique D. Et je suis assez content de la façon dont ça fonctionne, hein, ce système. Là, on a des rapports qui sont certes un peu élevés, mais qui correspondent parfaitement à la douceur d'évolution qu'on souhaiterait, ou qu'on souhaite plutôt sur cette route un peu mouillée. Mais là, dans ces conditions-là, et je pense qu'au quotidien, dans une évolution normale, l'automatisme est très convaincant. Alors on aurait pu croire que cette nouvelle technologie allait peut-être amoindrir les capacités sportives de ce bloc CP3. Et en fait, il n'en est rien. On ne perd pas vraiment, parce que dès qu'on se remet en mode manuel, on peut de nouveau lever la roue avant. On peut... Alors évidemment, il n'y a plus de coup de sirette. Ça se fait tout à l'accélérateur.
mais ça reste bien progressif. Enfin, c'est encore une fois très bien géré. Il reste à prendre cette habitude de changement de vitesse au guidon. Et c'est là que je suis moins convaincu. Alors nous n'avons pas eu tellement l'occasion de rouler très fort en mode presque sportif. Il y a quelques moments on est allé un petit peu plus vite. J'ai pu voir que le mode automatique D+ ne suffit pas à avoir le caractère très exubérant en fait, de la machine. On est obligé d'actionner les palettes au guidon pour retrouver en fait, toute l'explosivité du bloc comme on le souhaite exactement. Malgré tout, un rythme enroulé rapide, ça fonctionne bien. Mais si on veut vraiment s'amuser, il faut vraiment jouer des palettes ou alors passer carrément en mode manuel. Hein, mais c'est vrai qu'en laissant un mode automatique et en utilisant les palettes, bah finalement on a presque le meilleur de la technologie, on va dire. Puisque dès qu'on arrive en ville, en fait, on s'occupe de rien. Et puis si on a envie de jouer un peu, bah c'est un coup de pouce ou d'index. Et ça fonctionne très bien, le système est très rapide. Donc à l'issue de cette prise en main, ici en Espagne, dans les environs de Barcelone, la MT-09YAMT m'a convaincu d'un point de vue technologique, mais m'a moins convaincu en termes de prise en main et finalement d'agrément global. En effet, alors tout d'abord, ça va être au niveau des commodos. On a déjà beaucoup de boutons sur le commode de gauche et je trouve que remettre des palettes au guidon, ça fait rajouter des éléments en plus à gérer avec toujours la main gauche, ce qui n'est pas forcément pour moi une idée parfaite. Je trouve qu'avoir un sélecteur au pied, c'est quand même pas mal, surtout que la gymnastique, la gestuelle est quand même plus adapté au monde motard, pour moi. C'est un choix assez personnel là, de l'usage ou non des palettes. Pour le mode automatique, là, évidemment, ça marche très bien. Ça marche très bien si on ne veut pas un pilotage sportif. Or, là, on est sur un roadster qui est quand même très dynamique, avec beaucoup de caractère moteur, beaucoup de couple. Et je trouve ça un petit peu dommage que les modes, même le mode D+, ne suive pas ce tempérament. Là, on aurait bien aimé avoir, comme chez Honda, la possibilité de mettre plus de sportivité sur le mode D+. Avoir plus de réactions à la poignée, avoir des rapports qui sont peut-être encore un petit peu plus rapidement. Bref, adapter plus facilement ces changements de rapport à l'usage qu'on aimerait en avoir. Alors, on peut évidemment chanter en reprenant la main sur les palettes et en rentrant les rapports, mais dans ces cas-là, on se dit, bah ouais, mais autant avoir un sélecteur. Enfin, voilà, bon, moi, je trouve que l'automatisme adapté à ce modèle me semble pas forcément complètement pertinent. Maintenant, sur une GT, la MT-09 Tracer GT, par exemple, là, ce serait assez différent, puisque on peut imaginer qu'on va pas en attendre exactement les mêmes interactions. On peut imaginer aussi que sur une autre machine, parce que le système est très simple, il peut s'adapter sur tous les moteurs Yamaha. Donc, on va de toute façon retrouver ces technologies ailleurs. Yamaha nous en a parlé. Je pense qu'à l'ECMA, on aura des informations supplémentaires sur de nouveaux modèles équipés de cette technologie. Et voilà, installé sur cette moto, sur cette MT-09, c'est bien, c'est fonctionnel, ça marche bien, mais c'est peut-être pas complètement pertinent sur un roadster sportif. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de ma prise en main de cette MT-09YAMT avec cette nouvelle technologie d'embrayage auto et semi-auto. Un modèle globalement convaincant, évidemment, toujours plaisant à rouler. Tarifé 500€ de plus seulement, j'allais dire, que le modèle standard. On est donc à 11 299€. Au lieu de 10 799€. Donc une inflation somme toute modérée, tant en prix qu'en points, je vous l'ai dit, on reste en dessous des 200 kg. Et une machine qui pourra satisfaire peut-être ceux qui roulent essentiellement en ville ou les plus flemmards d'entre vous. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur le repairedemotard.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao !